Bonjour les amis, ici Samalmor. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur l'épisode 14, je crois, de Minarhaven. En tout cas, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, alors on va commencer tout de suite. Illuminati confirmed. En tout cas, on va prendre tout de suite le Daily Gif. Boum! Voilà! Donc, on va pas tout de suite ouvrir nos boîtes. Donc, ok. Je vais vous montrer quelques nouveaux codes. Il y a une couple de codes que j'ai raté. Ce qui fait vraiment chier, mais pas grave. Ça se peut que ça fasse un petit freeze. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai réduit les deux pages. Juste pour que j'aille toute la place pour Google. Oups. Ah, je vais pas mettre la musique. Voici le nouveau. TG. Voici le nouveau TG. Lol. Ok donc. Les codes. Il y a quelques nouveaux codes que j'ai pas encore fait avec Diamond Dominus Sam. Oh, je pense que Welcome to Heaven fonctionne encore. Est-ce que c'est vrai? Oh yeah, ça fonctionne encore! On a de la chance. Là, le riche, 1.9, 9.0 je veux dire, pour 2 Twitch coins. Neuf pour 2 Unreal Box. Free Crystal pour 20 cristals. Bulletin Token pour un Inferno. Wouhou! Pour 2 Unreal Box. Get on Play Load pour 3 Twitch Queen. Ref, ref, ref pour 30 UC. Mimi, Mimes, Like Dreams pour 2 Twitch Queen. Tout jeune pour rien. Ah, il fallait mettre le point d'exclamation. Tout jeune pour 10 Twitch Queen. Épique, non? Je sais pas quoi, 12 pour un Inferno. Ya boy, je sais pas mal de ça. Ya boy pour un ancien convoyeur. Twitch.tv page à 12 pour toi, Twitch Queen. Et il y a deux nouveaux codes que j'ai jamais fait avec Diamond Dominus Sam. Trex pour un Unreal. The Power of Friendship pour 20 UC. Cool. Donc maintenant, je vais mettre la musique. Pour que ça soit plus épique. La musique de Toby pour... La musique de Toby pour éviter les copyrights. Parce que lui, ils sont pas copyrights, heureusement. Voilà. Parce que, commençons de suite. Alors, quand je vais de suite, ce magnifique setup. Et si t'as accroché à la like, ok, peu importe. Parce que, je déteste un petit peu la nuit, alors je ne vois rien. Mais what the fuck, c'est quoi ces lags? Dans la neige, je vais aller voir c'est quoi ça. Et pourquoi j'ai pris ça, voilà. C'est sûr que c'est Jérémy qui fait laguer, hein, c'est le seul, c'est la seule unique box. Enlève-moi ça de là! Ça fait laguer le serveur, maudit!
Allons-y. Illuminati confirm. Donc ok, maintenant on va faire le setup pour de vrai. Donc d'après moi, c'est une affaire comme ça. Tiens. Donc là, j'ai pas assez d'argent, mais ça, ça va se régler assez vite. Tiens. Voilà. Voilà, comme ça, on va mettre un petit peu plus de convoyeur juste ici, comme ça à peu près. Et les Neptunium Mine. Donc pour l'instant là, je vais construire le setup. Je vais dire un coin téléporteur juste ici avec un truc comme ça juste ici. C'est quoi déjà? Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Et on va enlever tout ça parce que ça commence à faire laguer le serveur pour rien. À part ça, à cause d'Jérémy qui est en fait bloqué. Oh my god, vite, vite, vite. Come on, voilà. Sur le minerai, ça devrait être assez. Donc, ok. Qu'est-ce que j'ai comme une grader? Rebound. On va commencer par ce truc-là. Juste après ça, le catalyst. Après ça, le duplicateur de monnaie. Mais pas de monnaie, mais de minerai. Non, je ne pas ça encore. Ouais, juste pour être sûr, voilà. Ça, c'est un nouveau fourneau. Ça va être pour plus tard, posé. Donc, ok, je pense que c'était juste à quelque part là-dedans. Ok, là. Voilà. Avec un large convoyeur. Comme ça. Voilà, comme ça. Est-ce que j'ai un four? Un four rebond comme exemple? Ouais, ça. Et ce four-là, si les minerais sont en feu, ça change pour 18 fois. Bon, de toute façon, j'ai ça aussi que je peux utiliser. Et maintenant, qu'est-ce que c'est cool, c'est qu'on peut désactiver ou activer les 8 clavaux ou peu importe. Ça veut dire que je pourrais tout de suite ouvrir les regular box. Sans utiliser les 8 clavaux. C'est cool, non, comme date. Oups. Ça évite de gaspiller des 8 clavaux pour rien. Et en même temps, on peut déplacer l'interface si on veut. Alors moi, je vais peut-être la mettre sur le côté, à quelque part aussi, voilà. J'ai pas gagné grand chose d'intéressant pour l'instant. Voilà, on les remet sur un là. Maintenant, je vais peut-être en profiter pour mettre un mur. Oh, j'ai oublié ça. Tu vois, j'en profite pour mettre un mur. Alors, je suis assez miné à revol, mais voilà, ça a essayé d'être un peu cher sinon. Je vais autant le mettre. Déjà, il n'y a pas assez de place. Mmh.
Et aussi, il y a des nouveaux exotiques et des nouveaux rebonds. Hein. C'est vraiment cool, là. Aussi. Il y a un rebond thème que j'ai pas encore avec Diamond Dominus Sam. Hein. Ils disent qu'il y a plus que ta life est grande, mais moi qui étais. Mais moi qui étais. J'ai toujours moins de chance de l'avoir. Alors disons que ça va être assez chiant parce que je suis genre la life 1077 en ce moment. Et le ultimate sacrifice, ils l'ont toujours pas mis, alors d'après moi, ils l'ont arrêté sûrement. Ouais, c'est une minéraux qui existe quand même longtemps. Bon, quand je suis ça devrait aller. J'ai une idée, je vais le mettre avant. Donc, moi, c'est un petit peu moins efficace si on le met avant les jumelés d'eau les plus importants, mais pas grave. De toute façon, j'ai besoin de 64, de 75 KN, alors ça va. Ok, voilà. Ouh. Mais elle a oublié. Boum, des SP. En même temps, on va en profiter pour ouvrir les boîtes. Je pense qu'on va mettre les Twist Queen. Est-ce que je devrais mettre les Twist Queen? Ok. Ah, je j'aimerais mieux le mettre au milieu. Voilà. Oh, ça là, il faudrait que je l'aie ici. Hein, le scanner juste ici. Oh, on va l'avoir. Mange la merde, Bin. J'aurais pu l'avoir. J'ai activé les Twist Queen parce qu'au cas où je suis pas tout le temps des Twist Balls, ça va servir à rien. Ou même les Jugraders qui sont un peu nuls. Encore côté d'un exotique. Bon, pas grand chose d'intéressant là-dedans. Les Twist Queen, j'aime mieux les utiliser avec les jeunes Real Box. Ça. Je trouve que c'est mieux. Ah, oh, t'aurais pu me donner ça. Loser. Ah, t'es une fessier, t'es une fessier. M'en fous de tes murs. Non mais, oh my god. Bush Gainer. Bush Gainer. Ah, je pense pas que je vais l'avoir. Ah, je le savais. Je le savais. Juste pour faire chier. Juste à côté de l'exotique encore une putain de fois. Je sais pas si je l'ai un million fois ce Ugaido là. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai genre un million fois. Bon, voilà. Il y avait pas grand chose d'intéressant dans toutes ces whites, hein. Bon, est-ce qu'on va rebondre? Boum! Un Flaming Crossing Dodge. Ah, c'est nouveau ça. Ah, c'est cool ça, c'est nouveau. Je savais pas. En obtenant des nouveaux rebonds thèmes, ça te fait apparaître cette interface là ou quoi? Plutôt cool. C'est bien fait. Imagine pour ceux qui n'avaient pas de rebond à l'infini comme ça en même pas 3 secondes. Oh ouais. Ça doit être vraiment spammé. Hein. Noir en tout cas, un jeu
Avant il faisait vraiment pas noir, mais maintenant il fait 1 000 000 fois plus noir qu'avant. J'ai oublié de piocher le truc qui enlève le feu. Tiens. Je pense que comme ça, ça devrait aller. Donc allongé, on va placer tous nos graders comme ça. Le Tesla Resetter, ça serait 1 000 000 fois mieux. Ça. Bon, à l'instant là, on peut mettre le Dragon Blaster. Faut peut-être y acheter le système pour rien. Voilà. De toute façon, c'est quand même assez long. Et ce truc là juste au cas où. Et le four. Et aussi j'ai découvert deux nouveaux jeux, mais ça fait quand même assez longtemps que je les connais. Surtout le premier jeu que je vais vous compter. Il y a un jeu qui s'appelle Productive Industry. Ça ressemble à Minerivan, mais il y a de l'énergie, c'est hardcore, puis ça va être cool. Puis tu peux te grader des items que tu as déjà, alors ça peut être cool. Et aussi un autre jeu qui s'appelle Mining Madness, que ça fait à peu près un mois que je connais au moins. Un jeu plutôt calme, plutôt cool aussi. Alors peut-être que je pourrais faire des let's play là-dessus, comme genre, mais que je sois rendu quand même assez loin dans Minerivan, que ça fasse moins d'épisodes ou peu importe. Bon, comme ça devrait aller, de toute façon, tantôt j'attends juste même pas longtemps, ça m'a donné des SP, alors là je pense que là ça devrait être correct. Voilà. En plus que ça les double, ça clignote, bon peu importe. Tant que ça le grade, c'est au sol. Bon, on va avancer là, voilà. Chaque minerai va être à peu près 5 N, mais là je crois que j'ai un 6, alors ça va. Un astral bédicteur. Boom. C'est quand même un bon grader, mais un peu bizarre. Oups. Voilà. Comme ça. Oups. Comme ça, voilà. Thank you.
Voilà, en attendant, je construis le petit setup. En même temps de surveiller un petit peu ici pour voir s'il va avoir ses minerais. Ça va le mettre en premier. En deuxième, ce truc-là. Troisième, ceci. Quatrième, vous le savez, ce truc-là. Et là, on va tout enlever ça, parce que là, ça commence à faire des énormes lags qui finissent plus. Boum. Ah, j'ai oublié de quoi. Attendez. Le professionnel grader. Voilà. Bon, pas de place, on va enlever ça. Combien d'argent que j'ai besoin? Ok, à gauche 75. Comme ça, ça devrait aller. Voilà. Voilà, comme ça. Attendez, est-ce que je vais avancer? Ok, voilà, j'ai assez. Un ajout raffineur, on en a déjà un. Bon, même si on l'a déjà, ça le fait. Ouais, ok. Oh my god, il fait tellement noir aussi que je croyais que c'était ici, mais en fait, c'était le coin. Oups, la 5-10, là. Alors j'ai enlevé. Thank you.
cliquais plusieurs fois, alors qu'en fait les minerais m'empêchaient de placer les convoyeurs. Voilà. Boucher les masques allemands, elle va commencer à vendre des items qu'on... Que là maintenant on le conjoint qu'on pouvait garder durant les rebondes, mais là je pense que là il a arrêté. Pour l'instant il est plus là. Je sais pas, ça fait quand même longtemps que j'ai pas été rechecké en tout cas. Hop ça. Ah ouais, fais-moi apparaître la lumière là, ouais. Comme ça, ça devrait aller. Ça. Hop, ça, voilà, comme ça. Youpi. Comme ça. Et le four. En attendant, je vais aller chercher des boîtes. Ou pas, parce que si jamais tous les minerais disparaissent, mais là, voilà. Ben. Le Masked Man est ici. J'ai pas l'air. Côté là, non. Non, le Masked Man n'est pas là pour l'instant. Je pense qu'il est bien cassé, mais bon. Le nouveau rebond de thème, c'est le Angus. Mais voici les ennemis mineurs, si vous avez pas rendu compte, qui était là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le sage Redemer. Qu'est-ce qu'il faisait déjà, je fourre? Ouais.
Peu importe combien j'en avais, tu m'en fous. Ça, je sais pas, je n'avais acheté, tiens. Éteint. Et on va faire le setup comme d'habitude. Attention, j'ai mis, ça se peut que ça te tue. J'entends un bruit d'épée. Oh, une boîte en diamant. Attendez. Oh. Ah ouais, de moi cette belle boîte. Oh man. La prends, je te tue. J'ai même mon shotgun avec moi. Voilà, merci. Une Unreal. Hein, voilà. Twitch. Bon. Quel mauvais sens aujourd'hui. Oh my god, donne-moi de l'argent suffisant, s'il te plaît. T'es sérieux? Ah, va t'enculer. Te faire foutre. On va me faire perdre du temps pour rien. Oh, ok. Attendez, ça fait 35 minutes qu'on filme. Bon, en tout cas, ben, l'épisode est déjà terminé. Ça passe quand même assez vite, hein. On est déjà rendu à 35 minutes, j'en suis même pas rendu compte. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. En tout cas, au revoir les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. En tout cas, bye bye!